soldat français courageux, prêt à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Idrissa, c'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tu as quoi? On disait, nous sommes Français. Nous sommes Français. Mais une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Allez-y!
bouge. Vous devez défendre votre peuple. Tous les soldats allemands. Face à la guerre, une autre fourmi prête à se faire écraser. Mais moi, je me répétais tout le temps. Non, pas moi. Je suis aimé. Je suis aimé. Et Dieu me viendra en aide. Thank you.
L'équipement était souvent de mauvaise qualité. Pas adapté. Fallait apprendre à improviser. Fouiller. Bricoler. Je me disais, allez d'aimer. Cherche. Trouve un moyen pour que ça marche. Détruire le canon sauvera des vies. De vraies vies. C'est concret. C'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Il faut tenir cette position! Draquez tous les Allemands qui osent pénétrer dans la zone! Les voilà! Poussez-les dans la zone! Soldats en approche!
les ennemis de la zone. Les Allemands attaquent. Ils arrivent par la route. Mais qu'est-ce que tu devais défendre cette position? À l'avance, ils ont la location. Remercier le pilote et on s'en est voulu. On ne savait pas encore à quel point il serait remercié, alors que nous, on n'aurait quasiment rien en retour. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille d'aide. Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons! Allons les combattre! J'ai une famille, des enfants. Mais regardez-vous, on a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance! Du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! Allons-y! Allons-y!